Good morning, Aleid, dans les tutos aujourd'hui, le Nishmat Mourid Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Nahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Risha bat Chaim Nechemia, ainsi que l'Irfuat, Avraham Uri ben Rehut Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Zvachim, Perek Dalet, Mishnah Gimel. Ve'eilu Dvarim, She'en Chaivin Alehem, Mishum Pigul. הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסחים יונה כי דיסקיפו פלוליר והאדם והנסחים הבאים בפני עצמם דברי רבי מאיר והחכמים אומרים אף הבאים עם הבהמה לא גשמן של מצורע רבי שמעון אומר אין חייבין עליו משום פיגול ורבי מאיר אומר חייבין עליו משום פיגול שדם האשם מתירו וכל שיש לו מתירים, בין לאדם, בין לבהמה, חייבין עליו משום פיגול. On continue bien sûr le sujet du pigoul, avec à présent une petite finesse qui va générer toute la Mishnah, va tourner autour du même point, avec à part ça, pour la deuxième partie de la Mishnah, une petite variante. Tenez bon, c'est pas très compliqué, il faut juste comprendre l'idée. Le pigoul, c'est que on a apporté un korban en versant le sang avec intention de consommer le korban chutz lizmano, au-delà des limites de temps permises. J'avais un jour pour le consommer, j'ai eu l'intention de le manger en deux jours. D'accord ? Jusqu'à maintenant, on a insisté sur un point important, c'était le matir. Il faut discerner, lorsqu'on a l'interdit de pigoul, qu'il y a deux choses. Il y a, lorsque j'apporte un korban, je vais prélever de ce korban un petit échantillon que je vais apporter sur le misbéach, et lui, il va déclencher que maintenant, tout l'animal va être tantôt consommable, tantôt je vais pouvoir le prendre et l'amener sur le misbéach. C'est-à-dire, lorsque je fais un korban, j'apporte, on va dire, j'apporte le korban de goul, un korban hola, ouais, une holocauste, je prends, je l'égorge. Est-ce que je peux déjà la prendre, aller la monter pour la brûler sur le misbéach? Pas du tout. Il manque d'apporter le matir. Il y a la première action, la prémisse, je ne sais pas comment la définir, l'échantillon que je vais prélever, que je vais prendre, que je vais tout de suite amener sur le misbéach, ça va être lui le déclencheur de la consommation, de la possibilité de consommer par moi-même, par les kohanim, par le misbéach même, de pouvoir ensuite faire monter les parts sur le misbéach et les brûler. Le premier échantillon, c'est ce qu'on appelle le matir, celui qui permet, l'échantillon qui va déclencher la permission de tout le reste. D'accord ? Donc en fait, je récapitule, on va le retenir, on va l'appeler le matir, comme c'est appelé dans toute la Mishnah. À la fin de la Mishnah, sur l'attention, il y avait marqué « Chol sheshlo matirin » tout celui qui a un matir, quelque chose qui va le permettre. Il y a l'échantillon qui va le permettre, d'accord? Donc en fait, je récapitule. Et je vais directement vous dire tout le principe ensuite de toute la Mishnah tout de suite. Donc, d'abord, tout pigoul doit nécessairement être fait avec le matir qui a eu comme unique problème, le matir, donc c'est l'échantillon qui permet, il a été fait chutz lizmano, avec intention de consommer tout le reste du korban, chutz lizmano. Ouais, il faut nécessairement l'apporter jusqu'au misbéach, et c'était le seul problème, comme ce qu'on a longuement appris, que je reçois le sang, ou je l'apporte, ou je le verse, avec intention de consommer le korban chutz lizmano, sans aucune autre intention. Maintenant, là, ça rentre la petite finesse, c'est qu'il y a quelque chose de très original, c'est que si toutefois le matir, l'échantillon, je vais le consommer à lui, je ne transgresse pas l'interdit de manger un pigoul. Je transgresse l'interdit de manger le pigoul si le matir a été offert comme il se doit, mais que je mange ensuite le reste du korban, de l'oblation, comme ce qu'on va voir dans la Mishnah. Par contre, si toutefois, une fois que j'ai jeté le sang sur le misbéach, je vais le récupérer, je vais le boire, par exemple, et bien il n'y aura pas ici de « je vais le récupérer, je vais le boire », ou encore « j'ai jeté dans les oblations de farine, on jette un comète, une petite poignée sur le misbéach pour pouvoir permettre tout le reste de la farine ». Ensuite, une fois qu'il a déjà commencé à brûler, il a brûlé majoritairement, je le récupère et je le mange. Je ne transgresse pas l'interdit de manger un pigoul. Transgresse l'interdit de manger le pigoul uniquement lorsque je mange le reste. D'accord? C'est le principe de toute la Mishnah. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris, remettez le chiour depuis le début parce que j'ai rien à répéter de plus. D'accord?
Donc on fait ça maintenant dans les mots. Ve'elu dvarim she'en chayavin aleihem mishum pigul. Il me manque quand même un petit détail que je ne vous ai pas dit aussi. C'est que il y a encore un cas particulier d'offrande qu'on offre au Mizbeach, où l'unique chose à faire, c'est de prendre toute la chose et de la donner sur le Mizbeach, de la faire brûler sur l'autel, en ne laissant rien qui sera consommé, à part le fait de donner elle-même. Alors là aussi, puisque cette fois-ci c'est quelque chose qui n'a pas de matière, il n'y a pas ici quelque chose, un échantillon que je prélève pour pouvoir permettre autre chose, alors dans ce cas-là, il n'y aura plus d'interdit de pigoule sur toute la chose elle-même. Ouais, c'est le même principe qui revient. C'est-à-dire, toujours, lorsque j'apporte un gros morceau, si j'ai un échantillon que je vais prendre et que je vais donner sur le misbéach, ça peut être une vache et je vais lui prendre du sang, je vais le donner sur le misbéach. Ça peut être une oblation où je vais prendre un petit échantillon, une poignée que je vais verser sur le misbéach. Et grâce à ça, ça va permettre tout le reste du corban soit à être consommé, soit à être offert sur le misbéach. Alors dans ce cas-là, il y aura un interdit de pigoule sur l'autre, sur le reste, mais pas sur la chose que j'ai sur le misbéach. Et sur le même principe aussi, si toute la chose elle-même, je la prends telle qu'elle est, je la jette entièrement au feu du misbéach, alors il n'y aura plus non plus d'interdit de pigoule. Et là, on est capable donc de lire maintenant toute la première partie de la Mishnah jusqu'aux discussions. Les discussions qui auront ensuite, ça va tourner, ça va être une petite variante avec un petit détail à ajouter. On fait ça dans les mots. Telles sont les choses que l'on n'est pas condamnable lorsqu'on les mange à cause de l'interdit de pigoul, de manger les corbanotes qui ont été répugnés, sur lesquels on est passible de karet. Tout d'abord, hakometz, celui qui va prendre le kometz. Ve'alevona, ou celui qui va manger, donc le kometz, celui qui va manger le kometz. On va expliquer tout de suite c'est quoi le kometz, mais d'abord je préfère faire les deux en même temps. Un kometz veha levona. Levona, c'est une sorte de, c'est une sorte d'encens qui était offerte aussi dans les mincha. Alors là maintenant on fait un petit break, on explique. Dans les Obet Amikdash, on apportait des zvachim ou des menachot. Des zvachim, c'est des sacrifices, des animaux, et des menachot, c'était des oblations essentiellement de farine. On offrait de la farine qu'on pouvait cuire, frire, selon le cas. Il y avait plusieurs, ça s'étudiait dans la parasha de Vaïkra essentiellement, et la Torah nous précisait quel type de pain faire. Des fois il fallait les faire dans une farine, dans une huile profonde, les faire frire, des fois une poêle plutôt plate. Plusieurs manières d'offrir une mincha. De manière générale, lorsque je vais apporter la mincha, donc l'oblation de farine, l'offrande de farine en fait, à base de farine de pâte, de pain, de matzah, alors la Torah va me dire, le Kohen devra prendre ce qu'on appelle un kometz. C'est traduit par une poignée, c'est pas une poignée, c'est une pincée, mais c'est pas exactement non plus une pincée, c'est en fait avec les trois doigts d'ici, la kmitza c'est le petit dernier, un kometz, ouais je crois que c'est ça, et même en hébreu moderne. Et en fait, le Kohen, il devait prendre l'équivalent de ses trois doigts, ce qu'il apprenait. Il prenait comme ça du pain, avec son doigt, il veillait à bien aplanir, et il partait, il jetait ça sur le feu, et c'est ce qui nous permettait ensuite de manger tout le reste de la mincha. Cette petite chose-là, ça s'appelle le kometz, la poignée. Elle permet toute la mincha. Dans certaines menachot, il fallait en plus de ça, en plus de la mincha, de la farine à apporter, il fallait ajouter dedans de la levona, qui était une encens. Et alors là, le Kohen, il avait le devoir de récupérer toute la levona, après avoir mis le kometz, jeter le kometz au feu, il fallait ensuite récupérer toute la levona, et la jeter elle aussi au feu, et seulement après on pouvait manger la mincha. Alors tous les deux ont le même statut en fait, c'est qu'ils viennent permettre la consommation du reste. Le kometz, il va permettre la consommation, donc la petite poignée qu'on va prendre quand on va jeter au feu du misbéach va nous permettre de manger le reste. Ou encore la levonale va nous permettre de manger le reste de l'oblation. Idem encore avec l'actorette. L'actorette, elle est entièrement brûlée, elle. Ouais, si je veux prendre par exemple la quantité de l'actorette de la journée, le Kohen quand il avait Khatsi Mané, ouais, parce qu'il y avait Shlosha Manim Mayor. Un mané par jour, Mahatsito Baoker, Mahatsito Baerev. On le dit lorsqu'on lit le Pitom Haktoret, là-bas c'est écrit la moitié le matin, la moitié le soir. Donc j'apporte maintenant la moitié d'un mané, c'était une certaine quantité de Haktoret, et bien je dois la faire brûler à elle entièrement. Donc imaginez, je la jette au feu, puis après, avec l'intention de la
de la récupérer et de la manger le lendemain. Ouais, même si c'est une encens, ça se brûle, ça me prend de vouloir la manger. Je dis, je la jette au feu et puis après je la garde comme si je la mangerais demain. C'est une sgoula pour être riche. Imaginez. D'accord ? Donc du coup, je la récupère et je la mange. Je ne transgresse pas d'interdit de karet. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas eu de matière, elle n'a pas eu d'échantillon d'elle qui a été donné pour pouvoir permettre le reste. Ensuite, même principe avec minchat kohanim ou minchat kohen mashiach. Les oblations de blé, de pâtes, des kohanim ou encore du kohen mashiach qu'elle a porté tous les jours. Les chavite kohen gadol, ça s'appelait minchat chavitin. Et là, c'est le même principe. Tout ce que le Kohen apporte, lui, en oblation, elle est entièrement offerte au Mizbeach. En général, il y a quelques petites exceptions. C'est pour ça que les discussions, est-ce qu'il faut lire le Minchat Nesachim. Dans ma Mishnah, c'est imprimé ici avec une parenthèse. On ne va pas entrer dedans, ça va trop alourdir. De manière générale, en tout cas, lorsqu'un Israël apporte une Mincha, alors le Kohen récupère la Mincha, il prend le petit comète, il le jette au feu, il mange le reste. Mais lorsque c'est un Kohen qui l'apporte, toute la Mincha monte sur le feu. Elle va entièrement être brûlée, il n'y a rien de consommable, puisqu'il n'y a rien de consommable, alors il n'y aura plus d'interdit de pigoul dans une telle mincha. Ok ? Après, il y a marqué « Vehadam », n'importe quel korban, lorsque je récupère le sang, c'est lui qui est matir. Donc c'est une fois que j'ai jeté sur le misbar, si ça me prend de le prendre et de le goûter, ouais, ça me passe par la tête. En tout cas, je ne transgresserai pas d'interdit de pigoul, étant donné que c'est lui, l'échantillon, qui permet le reste. Mais donc sur l'échantillon, on ne transgresse pas d'interdit de pigoul. Maintenant, on va entrer dans une petite particularité qu'on va retrouver de deux formes. C'est le même principe de Mahloket, même si les noms changent. C'est le même principe, c'est d'ailleurs une remarque de Tosfot dans la Gemara. Pourquoi avoir coupé cette Mishnah en deux, ne pas avoir tout inclus dans une même chose. J'explique très rapidement. Lorsqu'on apporte un korban, à Rosh Chodesh par exemple, on a lu Beniskehen, Chatzi Aïn, il y a la part, ou Shlishit Aïn Laïl, ou Veit Aïn Laïl, il y a comme ça. À chaque fois qu'on apporte un korban, pour je crois tous les korbanot d'ailleurs, la Torah, elle nous demande d'apporter en plus de ça des offrandes d'huile et de vin. De récupérer aussi de l'huile et du vin, des Nesachim, ça s'appelle, et d'aller les verser aussi sur le Misbéar. Il y avait là-bas ce qu'on appelait les Shittin, il y avait là-bas deux trous en haut du Misbéar, là-bas il fallait les verser. C'est le rituel, la manière dont on apporte un korban. D'accord ? Pour le moment, tout va très bien. Donc j'apporte un korban au la. Il faut en plus de ça apporter une certaine quantité de, selon si c'est une vache, selon si c'est un taureau plutôt, c'est masculin pour le au la. Si c'est un taureau, un mouton ou un bélier, la Torah m'a donné des limites, c'est ce qu'on lit à Rosh Chodesh, puisqu'à Rosh Chodesh on apporte les trois, alors on précise dans le korban de Moussaf. Lorsqu'on fait le Moussaf, on dit au Viniskem, Chatzi Haïn, il y a la part, la moitié d'un Hin pour un part, pour un taureau, au Vit Haïn, la Keves. Ouais, j'en ai sauté un, bref, regardez là-bas dans le Sidour. Et donc, il y a des mesures particulières pour chacune des choses. Pour le moment, c'est clair. La particularité maintenant, elle est que lorsque je viens avec lorsque j'offre un korban classique, j'apporte ma Ola avec la quantité d'huile, la quantité de vin, et donc, pour le moment, je ne peux pas verser ce vin sur le Mizbeach, tant que je n'ai pas encore fini d'offrir mon korban, c'est-à-dire tant que l'échantillon n'a pas été versé sur le Mizbeach. À partir du moment où l'échantillon a été versé sur le Mizbeach, c'est-à-dire on a égorgé la vache et on a récupéré le sang, on est parti le verser, dès lors, j'ai le droit d'aller prendre le vin et l'huile et d'aller aussi le verser en haut dans les trous là-bas où on est censé le verser. D'où la question. Regardez que lorsque je vais prendre l'échantillon, le sang que je vais le verser sur le misbéar, je vais à la fois permettre à la consommation le korban et même aussi d'aller donner le vin et l'huile au misbéar. De ce fait, question. Est-ce que je transgresse un interdit de... Si toutefois j'ai eu l'intention de consommer le korban chutz lizmano, est-ce que je transgresse en cela un interdit de karet à boire cette huile ou ce vin? Il y a une discussion. En théorie, vous allez me dire, ben oui, tout à fait. Tout korban que j'apporte et qu'il y va y avoir un quelconque échantillon qui va ensuite me permettre de le consommer à lui ou de l'offrir à lui au misbéar, en théorie, je devrais transgresser l'interdit de pigoule, de carette, il y aura un interdit de carette à le consommer.
C'est vrai, mais avec quelque chose de très original cette fois-ci. C'est que ça arrive des fois, j'ai la possibilité d'apporter un corban et de venir les mains dans les poches. Et d'avoir une dette, ouais, d'apporter juste mon corban sans apporter l'huile et le vin, et d'avoir une dette envers le Mizbéar que j'apporterai demain, après-demain, dans un des prochains jours. Je reviendrai au Beth Amikdash et je dirai au Cohen, viens, s'il te plaît, vas-y, va verser le vin et ou l'huile, va le verser en haut. Va le verser sur le Mizbéar parce que j'ai une dette, il y a 2 jours j'ai apporté un corban. Et alors là, on a quelque chose de très original en fait. Ça veut dire, le jour, si j'ai aujourd'hui mon vin et mon huile, lorsque je vais verser, asperger le sang sur le Mizbéar, je vais permettre de verser ensuite, je vais déclencher la permission de verser le sang, de verser l'huile et le vin sur le Mizbéar. Mais si toutefois je n'ai pas amené aujourd'hui mon huile et mon vin, ben il s'avère que lorsque j'apporterai mon huile et mon vin, il n'y aura rien qui permettra. C'est-à-dire en fait, je me retrouve avec ici quelque chose qui va monter sur le Mizbéar, où selon la configuration, si j'apporte mon corban ou non aujourd'hui, eh bien excuse-moi, j'ai perdu le fil de mes idées. Selon la configuration, si j'apporte ou non mon corban aujourd'hui, alors selon le cas, cette chose-là aura eu un matir auparavant ou non. Si j'apporte mon corban aujourd'hui, le sang va permettre de verser le vin au Mizbéar. Si toutefois je n'apporte pas le vin aujourd'hui, eh ben, il n'y aura rien qui devra permettre au préalable ce vin pour monter, pour être versé sur le Mizbéar. D'où la question, est-ce que le vin est considéré comme quelque chose qui a un matir ou non? Sans cela qu'il y a une discussion. Il va y avoir ensuite la même discussion une deuxième fois, avec tout de suite, je vous le dis tout de suite, le log Shemen Shel Metzora. C'était dans la paracha de Metzora. On avait lu comment purifier le Metzora. Il y avait des corbanotes très particuliers, très originaux, comment faire pour pouvoir purifier le Kohen, le Metzora. Et il avait des corbanotes où il fallait prendre un log Shemen, une quantité d'huile, lui verser une goutte sur l'oreille droite, une goutte sur le doigt, et sur le doigt de la main, et une goutte sur le doigt de pied. Et puis ensuite, le reste de l'huile, il était consommé par les Kohanim. Cette même huile-là, elle a le même principe. Je ne pouvais l'offrir, je pouvais, elle devenait consommable par les Kohanim, que si on avait auparavant fait le Korban Hacham, donc versé le sang du Hacham, du Metzora. Mais toutefois, il était possible d'apporter le Korban Hacham et de revenir faire ce rituel avec l'huile un autre jour. De ce fait, l'huile en elle-même ne requiert pas nécessairement d'avoir aujourd'hui un échantillon quelconque qui va monter sur le Mizbéar pour pouvoir être consommable. De ce fait, alors on aura la même discussion. Il y a un avis qui va nous dire, si toutefois tu viens, malgré tout, tu apportes l'huile le jour où tu apportes le corban, donc le corban va permettre l'huile, donc il y aura un interdit de pigoule. Et l'autre avis va nous dire, non, puisque de toute façon tu as aussi la possibilité de ne pas l'apporter aujourd'hui, il y a ici, c'est un peu déconnecté, l'huile et le corban, ils ont un certain rapport étroit, mais en tout cas, il n'y a pas une dépendance totale. De ce fait, il n'y aura pas d'interdit de pigoule sur la consommation de l'huile ou du vin pour les Nessachim. Et on fait tout ça dans les mots. J'espère que c'était clair. C'est des notions assez difficiles. Ne vous inquiétez pas, les prochaines Mishnayot redeviendront relativement plus simples. En tout cas, on fait tout ça dans les mots. Va Nessachim abayin bifnatzman, divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir pense que les Nessachim, que les oblations de vin ou d'huile qui viennent. Bifnei Atzman, qui viennent toutes seules, c'est-à-dire parce que je les apporte pas au moment où j'apporte le korban, je les apporte le lendemain, comme ce qu'on a expliqué. Alors, sur de telles oblations, il n'y aura pas d'interdit de pigoule, à la différence des oblations de vin et d'huile qu'on apportera le jour où j'apporte le korban, où il y aura dans ce cas-là un interdit de karet, selon Rabbi Meir. Vachachamim Omrim, Chachamim pense que Af Abaim Ima Behema, même les oblations qui viennent le jour où j'apporte l'animal, malgré tout, il n'y aura pas en eux un interdit de pigoule, étant donné que j'avais la possibilité de les apporter aussi un autre jour, donc il n'y avait pas de rapport direct entre le corban et la possibilité de consommer ces choses-là. Idem encore avec log shemen shel metzora, la quantité de 1 log d'huile pour le rituel du metzora, pour sa purification, comme je vous ai dit, comprenez l'huile, on la mettait sur le Alboen Yado Aymanit, Valboen Raglo Valtenur, Altenur Rosno Aymanit, Valboen Yado Aymanit, Valboen Raglo Aymanit, c'est le mot de Psukim, Bohen, c'est le petit doigt. Donc Rabbi Shimon Omer, En Chayavin Alav Meshum Pigoul, il n'y a pas
en eux, dans cette huile, un interdit de pigoule. Pourquoi ? Pour la simple raison que le Metzora n'était pas forcément obligé de la porter le jour où il apporte son korban Hacham. Il pouvait aussi la porter le lendemain. Donc en fait, ça correspond à la vie de Chachamim précédent. Et Rabbi Meir Omer, et Rabbi Meir pense, Chayavin alav mishum pigoul, que malgré tout, si le Metzora apporte l'huile le jour où il apporte son korban Hacham, il aura en cette huile un interdit de pigoul si toutefois on a apporté, on a versé le sang du korban Hacham avec la mauvaise intention. Pourquoi ? Chez Dama Hacham, Matiro, car le sang du korban Hacham va permettre cette huile-là à la consommation, ça va déclencher la permission de cette huile. Donc de ce fait, il y a en cela un interdit de pigoul. Pourquoi ? Et là maintenant, ils nous disent la grande règle de toute la Mishnah, Bechol she'eshlo matirin, ben la Adam, ben la Mizbeach, et que dès qu'on va se retrouver devant un aliment qui a un autre échantillon qui va pouvoir le permettre sa consommation par l'homme ou par le Mizbeach, alors dans ce cas-là, sur cette chose-là, il y aura Chayavin alav mishum pigoul, il y aura en cela un interdit de pigoul à consommer le reste. J'espère vivement que ça a été assez clair. J'admets qu'il y a des fois des notions un peu trop délicates, peut-être. Mais ne vous inquiétez pas, de manière générale, d'abord, premièrement, c'est gravé. Un jour, vous referez Chazara de ça. Vous verrez que finalement, les choses, elles ont tombé que mal. Elles ont été plantées dans la tête. Et ça a fait des pousses et ça a fait des fruits, Bezrat Hashem. Et bien sûr, un jour, on arrivera tous au Lamaba. On verra le mérite gigantesque qu'on a eu d'avoir étudié même des sujets des fois parfois compliqués. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.